Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Brunier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses et vous savez que le mois de mars est un prétexte pour toutes les femmes pour se célébrer et j'aurai la chance de parler avec l'auteur et historien Amadou Ba qui viendra nous parler de son ouvrage intitulé « Amazone des neiges ». On va aussi parler de la santé mentale au travail avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et tout de suite pour commencer, comme c'est un lundi, vous savez qu'on vous informe toujours sur qu'est-ce qui se passe pour les aînés francophones de notre région. Avec moi, Marie Lantier d'Isanza qui vient nous présenter, j'espère, en primeur, le nouveau numéro du Vivre Plus de ce mois de mars. Et puis c'est sûr qu'on a commencé le mois de mars, ça fait quoi, 13 jours maintenant? Bon mois de la francophonie à toi. Oui, alors bonjour à tous. Bonjour Claude-Andrea. Alors, c'est certain que le mois de mars est toujours un mois occupé, beaucoup de journées nationales et internationales, la journée internationale de la femme, comme la raison qu'on a souligné à la FARFO. Il y a quelques journées que je veux vous parler, et surtout du mois de la francophonie. Oui. Alors, au cours du mois de la francophonie, c'est certain qu'on veut reconnaître notre belle langue. Puis, je veux juste vous citer une phrase de notre chroniqueur Michel Picard, qui dit: notre seule recette de survie, c'est de garder allumée la flamme de notre francophonie, c'est de la transmettre à d'autres, surtout à nos petits-enfants, hein? De se tenir debout, de rester engagé et vigilant. Alors, c'est une langue belle, la langue de chez nous. Alors, peut-être que le rôle des aînés dans ce mois de la francophonie, c'est vraiment de donner cette envie de parler, de maîtriser la langue française de nos jeunes. Alors, c'est facile de se laisser angliciser avec tous les médias, etc. Alors, quelque chose à penser pour nos aînés. Nous avons aussi, lors du mois de mars, la journée du bonheur et la journée du sommeil. Alors, je pense que les deux vont ensemble. Il y a des enquêtes qui ont été faites qui disent que si tu as un bon sommeil, ta santé mentale va Je suis s'améliorer très et d'accord. automatiquement, si tout s'améliore, tu vas être plus heureuse. Donc, la journée du bonheur. Alors, c'est des petites choses à noter pour ce mois-ci pour nos lecteurs et lectrices. Y a quelque chose j'ai envie de revenir sur quelque chose, Marie, lorsque tu parlais du mois de la francophonie, du rôle que les aînés peuvent aussi avoir pour encourager les personnes qui sont engagées quelque part, ou bien même les petits-enfants à pouvoir être fiers d'être francophones. Ça me rappelle quelque chose que j'ai observé dernièrement. Tu sais, il y a un jeune de la communauté francophone qui a reçu, en fait, c'est le plus jeune récipiendaire du prix Huguette Parents qui est donné par le réseau du patrimoine franco-ontarien. Et ça m'a fait réaliser à quel point c'est important de pouvoir célébrer ces jeunes-là qui continuent de s'engager et appuyer la francophonie. Parce que oui, on dit que c'est une langue vivante, mais il faudrait qu'on permette à ces personnes qui se battent pour la francophonie d'être reconnues comme une petite tape à l'épaule pour vous dire, écoutez, on voit qu'est-ce que vous faites et c'est important pour nous, on vous dit merci. Un peu comme ce que la FARFO fait pour les aînés en français. Exactement. Oui. Et c'est important surtout pour nos jeunes. Et ce jeune-là qui a été reconnu, c'est un beau modèle pour nos Oui. jeunes qui sont dans des institutions secondaires, etc. Puis, faut aborder aussi cette idée du français, pas seulement qu'au niveau négatif. Pas, t'sais, dans nos écoles, faut pas seulement leur dire, ah ben, lâchez de parler anglais. Faudrait peut-être être positif et leur dire, pourquoi est-ce que tu ne parles pas français? Français, oui. T'sais, alors, utiliser le positif pour les encourager, leur donner des activités et des moyens pour pouvoir s'exprimer en français aussi. Pas seulement dans les quatre murs de la salle de classe, mais à Exactement. l'extérieur, dans des activités, dans des groupes, etc. Ça paraît que j'ai déjà été en éducation. C'est ça. Et puis, oh oui, on pourrait profiter même de tes conseils. Je pense que c'est important parce que, veux, veux pas, la nouvelle génération d'enseignants a besoin aussi de votre appui à vous autres. Parce que ça n'a pas été facile pour vous dans le temps, mais je suppose que c'est pas facile pour eux aussi maintenant, encore plus avec les médias sociaux, imagine.
Exactement, exactement. Alors, nos grands-parents sont là pour les encourager, les parents sont là pour les appuyer, puis les éducateurs et enseignants sont là pour les diriger. Alors, c'est tout ensemble, on forme une belle communauté pour encourager cette francophonie. Je suppose que pour le mois de la francophonie, de votre côté à la FAFO, vous avez réfléchi pour concocter, pardon, quelque chose de spécial pour ce mois, pour les aînés. Oui, non? C'est un peu dans le cadre de toutes nos activités. Alors, la FARFO, dans le moment, mes collègues sont en tournée dans toutes les régions de l'Ontario. Et c'est certain qu'on rencontre tous les groupes, les clubs, les centres de vie active francophones de la région. OK. Donc, c'est une activité, comme on dit, c'est un petit peu comme on Écoute, fait en est-ce que je pourrais te éducation. C'est un garder petit peu avec pour un. moi pour parler de cette tournée-là après la pause? Parce que je pense Oui, que j'ai beaucoup certainement. de questions à te poser là-dessus. Vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de qu'est-ce qui se trouve dans la revue du mois de mars, le Vivre Plus de la Farfo, avec moi Marie Lantier-Disanza qui est l'éditrice. Et avant la pause, je te demandais si vous aviez prévu à la Farfo des activités. Je trouve intéressant que vous ayez pris, je vais dire, le temps d'aller visiter tous vos autres collègues dans la région. Alors, on est très content qu'on peut montrer nos clubs et nos cercles d'art en personne. Alors, c'était quelque chose seulement par Zoom avant. Il y avait certainement une quantité de gens qui se joignent, mais maintenant, c'est très, très beau. Alors, nos collègues sont partis et ont fait le centre, le sud-ouest, le nord, Elliott Lake, Chelmsford, un peu partout. Ils visitent la province et rencontre des groupes de francophones pour essayer finalement d'avoir des consultations avec eux. C'est toujours accompagné d'un repas ou d'une activité. Vous savez ce qui se passe quand un groupe de francophones se rencontre autour d'une table. Alors, les discussions sont très fluides, c'est très divertissant et ça permet à ce moment-là de regarder tout ce qui peut être fait par la FARFO et ces clubs-là pour le bien-être, puis pour éviter l'isolement Oui, social. c'est sûr. Alors ça, je pense que c'est, comme on parlait tout à l'heure du bonheur, du sommeil, l'isolement social s'est fait beaucoup durant la pandémie. Et là, avec ces rencontres-là, on trouve toutes sortes de nouvelles, possibilités pour rassembler ces gens-là, pour pouvoir leur offrir, des activités, des conférences, des rendez-vous, qui va vraiment les sortir de cet isolement-là qui a été occasionné par la pandémie. Alors, on a eu une très, très belle participation dans tous les coins de la province. La tournée n'est pas terminée. On continue. Il va y en avoir aussi dans l'Est, dans la région d'Ottawa. Alors, nos collègues, les coordonnateurs, notre DG, notre directrice des opérations ont été sur la route presque tout le mois pour venir à bout de rencontrer ces clubs et ces centres. J'aimerais Alors, une bien très belle activité. entendre Michel Oui. là-dessus la prochaine fois qu'on se parlera. Peut-être il aura Oh, je sûrement suis. des choses à Oui, partager avec exactement. nous. Oui. Alors, si vous regardez dans le magazine, vous allez voir, il y a des belles photos de nos gens qui ont participé. Alors, on voit vraiment que les gens sont heureux de se rencontrer, puis de discuter, puis de trouver des solutions. Alors, Oui. parlons des activités. Ça se trouve à la page de la page 9 à la page 23. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités qui sont prévues, mais il y en a quelques-unes que tu as envie de mettre en avant. C'est qu'il y a une activité qui s'en vient et qui est importante possiblement de souligner, c'est le 4 avril, c'est la Journée nationale des proches aidants. Alors, une personne aidante, c'est un membre de la famille, un ami ou une personne de choix qui offre des soins non rémunérés à une personne en raison d'un handicap, d'un état physique. Alors, ces gens-là travaillent souvent. Puis on les reconnaît peut-être pas suffisamment. Tu as tellement Alors, ce raison. sont des bénévoles qui dévouent leur temps gratuitement
pour s'assurer que les membres de leur communauté reçoivent les soins, possiblement à la maison. Quelquefois, c'est juste finalement d'avoir quelqu'un qui vient les rencontrer, qui fait un appel téléphonique, qui s'assure qu'ils sont en bonne santé, qu'ils n'ont pas besoin de quelque chose d'autre. Alors, dans la région de l'Est et d'Ottawa, c'est le regroupement de Prescott-Russell qui s'occupe, qui est un comité consultatif de bien vieillir. Alors, il y aura toute une journée de célébration le 4 avril pour souligner ces personnes-là. Ce n'est pas seulement dans cette région-là, il y en a partout au travers de la province. Et au mois d'avril, vous savez que nous avons la semaine De du l'action, bénévolat oui, de l'action et on va bénévole, essayer de oui. souligner ces gens-là qui dévouent de leur temps pour aider notre communauté puis nos personnes aînées. Je pense que c'est de Alors ça, ça c'est qu'ils ont sans compter besoin, toutes ouais. les activités qui ont eu lieu à Chelmsford pour la Saint-Valentin, à Sarnia. Les cérémonies aussi et les rencontres qu'il y a eu pour le mois de l'histoire des Noirs. Alors, il y a eu vraiment beaucoup de va-et-vient et d'activités qui se sont déroulées dans la province, par les francophones aînés. Super à entendre là. Et puis c'est vraiment bien de prendre le temps de souligner ces personnes-là parce qu'on peut les prendre pour acquis, hein. Par exemple, si c'est moi qui m'occupe de ma mère à la maison, ben, pour tout le monde autour de moi, ben, c'est normal que tu le fasses. Mais c'est normal, oui, mais j'ai toujours besoin d'être encouragée, d'être reconnue pour le travail, pour mon énergie, pour mon temps. Donc vous faites bien de souligner ça ce 4 avril. Donc les informations se trouvent dans la revue du Vivre Plus. J'aime un autre sujet que j'aime beaucoup à la page 32, santé mentale et isolement. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité, Marie. Oui. Alors, nous avons Paul-André Gauthier, qui est un consultant en soins infirmiers, un expert conseil. Puis, dans cet article-là, et encore là, on parle d'isolement. Et isolement, très souvent, veut dire problème de santé mentale. Il dit, le printemps arrive, c'est le temps de recommencer vos activités, de trouver quelque chose à faire qui va vous stimuler, qui va vous donner le goût de continuer. Il parle de jardinage, il parle de reconnecter avec des gens que vous n'avez pas vus Depuis possiblement longtemps, pour oui. combien d'années, là? Le COVID, ça a l'air comme si ça dure depuis 3 ans. Alors, c'est tous ces trucs aident les personnes qui vraiment se sont senties seules, puis qui vont les garder en bonne santé mentale. Alors, on parle accroître votre capacité d'adaptation, améliorer la résilience, améliorer l'estime de soi. Alors, un très bel article là, qui vous donne toutes sortes de trucs. Il y a aussi un site sur le gouvernement du Canada qui donne des idées de choses à faire, comment s'impliquer. Puis comme de raison, peut-être qu'en s'impliquant dans le bénévolat, ça l'aide à la santé mentale des personnes parce que on dirait que vous lâchez de penser à vos petits C'est ça. problèmes, puis vous regardez l'ensemble avec quelqu'un d'autre, puis vous dites, ben les miens, t'as pas si pire que ça. Alors, l'estime de soi remonte. Alors, on est très chanceux d'avoir Paul-André qui nous donne toujours des articles très intéressants. Puis une chose qu'il nous présente aussi, c'est au niveau de la chirurgie cardiaque. Alors pour les gens qui vont subir une chirurgie cardiaque, ils ont créé un document, des vidéos qui éclaircit un petit peu qu'est-ce qui se produit avant, pendant, après, puis au retour. Alors, quelque chose à regarder. C'est une première en français hors Québec. Alors, un groupe de chercheurs qui se sont penchés sur ceci, puis qui donnent vraiment de l'information importante pour quelqu'un qui doit passer à travers une chirurgie cardiaque. Est-ce que le lien, vu que c'est une revue virtuelle, est-ce que le lien se trouve dans la revue de sorte à ce qu'on puisse avoir facilement accès à la vidéo? Oui, exactement. Super, Ils n'ont super. seulement qu'à cliquer. Le lien est actif, Super. donc ils cliquent et ça les amène à la vidéo sur YouTube. Oui. Vous faites un Puis excellent chaque travail. vidéo. Vous faites un Oui, excellent oui. travail. Merci beaucoup, Marie, pour Oui. toutes ces informations-là.
au plaisir de se reparler pour le mois d'avril. Et puis, j'ai oublié de le faire aujourd'hui, mais je vais le faire. Habituellement, je lis toujours le petit écriteau, tu sais, hein, qui est sur la page de couverture. Et cette fois-ci, ça dit, s'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas si agréable. Et ça me rappelle le mois de la francophonie. Hein. Ça me renvoie à la résilience. Toujours se dire qu'il y a quelque chose de bon après le mauvais temps. Le mauvais temps. Exactement, Mais merci exactement. beaucoup. Je te souhaite une excellente semaine et puis on va inviter les gens à aller visiter le site web. Merci beaucoup et au mois prochain. À la prochaine. Alors vous autres à la maison, Le Vivre Plus, le magazine de la Farfo est disponible et gratuit. Vous avez juste qu'à aller au www.farfo.ca. Avec Marie, tantôt on a parlé de santé mentale dans le contexte des aînés, mais cette fois-ci, on va parler de la santé mentale en milieu de travail avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Juste après la pause, on l'aura sur le plateau. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de santé mentale au travail. Je trouve que c'est un sujet assez intéressant, assez instructif, pardon, avec moi, Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Tu es la directrice des services cliniques. Et je te disais qu'avec ma première invitée, on a parlé du fait qu'il y a un beau lien entre faire un bon dodo et la santé mentale. Oui, c'est vrai. En effet, en effet. Puis évidemment, ça se ressent partout, même en milieu de travail. Puis aujourd'hui, j'aurais voulu, c'est-à-dire, j'aimerais présenter un programme de formation justement pour aider les employés, les employeurs, tout le monde à bien appuyer ceux qui pourraient avoir des troubles justement de santé mentale, que ce soit dû au sommeil ou à n'importe quoi qui se passe dans leur vie. Personnel. Donc, ça, c'est un programme de formation qui est conçu par notre bureau provincial Provincial, de l'Association canadienne pour la santé mentale et qui est offert dans la plupart des succursales à travers, je veux dire l'Ontario parce qu'on est ici en Ontario, mais c'est offert à l'échelle nationale. La variance, c'est que dépendamment où la succursale se situe, ben, les modules qui peuvent être offerts vont Est différent. être différents, OK. justement pour répondre aux besoins de la population dans laquelle la succursale réside. Ouais. Donc, c'est vraiment un programme de formation très varié qu'on peut individualiser, justement, comme je viens de dire. Il est modélable, en fait, pour la clientèle. Exactement, exactement. Puis c'est vraiment tout le monde qui est ciblé. Peu importe son rôle, son poste, l'étendue de ses responsabilités, tout le monde peut profiter de ces formations-là. Puis vraiment, ça cherche à augmenter davantage la sensibilisation face à la santé mentale et augmenter la compréhension des gens face à cette matière. On sait que pendant les 3 dernières années, il y a eu beaucoup d'attention mise là-dessus. On a vraiment vu l'ampleur de ce que ça peut causer lorsqu'on a un déséquilibre dans notre santé mentale. Mais ça vient davantage informer les gens en profondeur selon le type de formation qu'on offre. Puis en faisant ça, ben, on améliore la collaboration entre les gens. Juste parler avec toi, ça ouvre tellement je vais dire de fenêtres dans mon esprit. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de te dire en même temps, je vais essayer de rester focus. La première des choses là, c'est que pour un employé, je vais parler pour un employé, les conditions du mal-être mental, je vais l'appeler comme ça peut venir des conditions externes ou internes. Et externe, là, je me dis, l'employeur en tant que tel, il n'a pas vraiment de contrôle là-dessus, il peut juste l'accompagner. Mais quand c'est interne, je trouve que c'est beaucoup plus grave parce que souvent même l'employé ne serait même pas à même de dire la vraie affaire parce que tu veux garder ton travail ou bien tu veux pas être mal vu pour ce que tu vas dire dans ton environnement de travail, donc tu vas te taire. Et il y en a beaucoup comme ça comme ils vont en allant, en broyant du noir. Oui, exactement. Tu soulignes quelque chose de très, très, très important, d'ailleurs, que je voulais apporter. C'est l'importance du rôle que les superviseurs
les gestionnaires, les cadres C'est supérieurs ça. ont face à l'impact qu'ils peuvent avoir envers une personne qui vit quelque chose de très personnel, qui peut se déverser en milieu de travail, d'où l'importance de ces formations-là, pour mieux s'équiper, pour mieux les outiller, pour mieux être informé. Tout ce qui est offert, c'est basé sur les données probantes. Et donc, avec ça aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens ne se confieront pas auprès de leur Ça, superviseur, justement. c'est trop bizarre de dire, oh, puis tout le monde va se dire, oh, mais peut-être que c'est toi. Ben oui, ça peut se produire, évidemment. Puis des fois, ça peut blesser les gens plus et ça peut les forcer, par conséquence, à prendre plus de recul et s'isoler. Ce qui est contre-intuitif, ce qui est pas très productif non plus. Donc, les formations vraiment cherchent à établir un climat de confiance dans son environnement de travail pour permettre ces conversations-là au degré où juste, c'est ça, au degré où ce que la personne va se sentir confortable à partager avec leur employeur, même entre collègues aussi. Des fois, c'est juste ça que on a besoin d'un petit soutien avec un collègue, pas nécessairement que d'aller vers le supérieur immédiat. Ok, deuxième fenêtre que je veux me permettre d'ouvrir, c'est la validation, comme tu viens de dire, la validation des émotions des autres. Et là, j'ai vécu quelque chose il y a quelques 2 semaines passées là, qui me fait penser à ça. Je suis allée en rencontre dans un environnement de travail, dans des bureaux, et je vais à la salle de bain. Tu sais, nous les filles, hein, on a toujours envie de faire un peu de make-up. Je rentre et puis j'entends quelqu'un qui est en train de pleurer dans la salle de bain des femmes. Puis je me dis, ouh, ça c'est quoi ça? C'est un peu malaisant. La personne sort et puis s'essuie les larmes. Puis j'ai demandé, intuitivement, j'ai demandé comment vous allez? Je me sens pas bien, je me sens mal et tout. Je travaille dans les RH ici, dans cette entreprise, et je viens de virer quelqu'un. J'ai juste dit, est-ce que je peux faire un câlin? Puis elle a accepté, on s'est fait un câlin vite fait. Et puis je me dis, ce genre de personne, là, oui, on va parler de l'employé. Mais comme tu le mentionnes, c'est des employés à tous les niveaux. Parce que même les gens aux ressources humaines, ils s'attachent avec des personnes qui travaillent dans leur entreprise et ça doit faire un choc émotionnel de faire ça. Tu viens de souligner quelque chose qui est très, très, très important. Tout le monde est humain. Tout le monde est humain. Il n'y a personne, malgré le titre qu'on porte sur nos fronts, on n'est pas à l'abri d'expériences humaines. Donc, ce que tu viens d'apporter, c'est vraiment un exemple d'humanité que tous et chacun en a besoin. Okay? Donc, oui, ça peut être dur de mettre quelqu'un à la À la porte. porte, hein? C'est dur, ça peut pas être. C'est C'est dur dur, de mettre ouais. quelqu'un à la porte. Et ça peut. On connaît les conséquences de ça. OK? Mais bon, il y a des responsabilités qu'on doit entreprendre et puis il faut être à la hauteur de cela. Mais comme tu dis, le personnel de ressources humaines, les représentants syndicaux, le personnel de soutien qui peut-être n'offre pas des soins, des services De première de ligne. première ligne à la clientèle, mais aussi, ils sont humains, C'est eux aussi sûr. font partie de la grande famille organisationnelle dont ils font partie. Donc, c'est important d'être à l'affût de ça. Puis, c'est sûr que certaines personnes ont différents niveaux de confort qui ne seraient pas prêts à donner un câlin à un autre juste comme ça, étranger ou non. Mais J'étais très étonnée qu'elle ait accepté, puis je me suis dit, c'est sûrement quelqu'un qui avait juste besoin de se sentir, ouais, compris. d'un appui, d'un support, d'un soutien. Et des fois, c'est juste ça, juste un geste humain pour accueillir ce que la personne ressent, valider aussi ce que la personne ressent pour ensuite lui permettre de continuer sa journée, sa semaine, son mois. Écoute, je vais te garder avec moi et juste après, j'aimerais qu'on rentre en plein pied dans ce programme-là et puis dire exactement c'est quoi les outils que vous partagez avec les gens dans le domaine du travail. On revient juste après la pause, regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de santé mentale au travail, de l'importance de comment, en tant que personne qui est dans un milieu de travail, comme vous soyez à la haute ou bien que vous soyez
un employé, un employeur, peu importe votre rôle, comment c'est important de prendre soin de votre santé mentale. Et là, on veut parler du programme avec Dania Versailles, du programme en tant que tel que l'Association canadienne pour la santé mentale au niveau provincial offre à ses employeurs et employés. Et j'ai vraiment envie de connaître le contenu. OK. Donc, le contenu est varié, comme je le disais. Les formations sont offertes en présentiel, en format hybride et de façon virtuelle aussi. Ça varie de 1 h, 90 minutes à jusqu'à 3 h, dépendamment si les gens choisissent deux sujets ou, c'est ça, deux sujets, ou Oh, il s'ils y a veulent. plusieurs sujets Il y a en fait. plusieurs sujets, oui, qu'on peut ajouter un à la suite de l'autre ou de façon espacée dans le temps, selon la disponibilité des gens. Juste pour te nommer quelques titres, humeur et dépression, stress et anxiété, consommation de substances psychoactives ou dépendance, isolement, solitude, stress traumatique et fatigue de compassion, la santé mentale et le télétravail aussi. Fatigue de compassion, c'est quoi ça? Est-ce que tu peux m'expliquer? Oui, la fatigue de compassion, c'est la fatigue que les gens peuvent ressentir de façon accumulée lorsqu'ils font face de façon régulière, à cause de la nature de leur travail, à la souffrance des autres, quelle que soit la gravité. Les infirmiers et autres, peut-être. Oui, exactement. Donc, ce qu'on a vu manifester durant les quelques années récentes, c'est vraiment l'épuisement professionnel causé par la fatigue de compassion et toutes sortes d'autres stress, ce qui fait qu'on voit qu'est-ce qu'on. On voit l'effet de la fatigue de compassion chez les gens qui ont des travaux qui soutiennent les autres. Okay? On appelle ça en anglais caring professionals. Et puis, donc, il y a un atelier qui est plus nouveau, qui a été développé, c'est-à-dire récemment, qui s'appelle Gérer les transitions, réintégration dans les espaces de travail partagés. Comme tu le sais, il y a plusieurs gens qui ont. Décider de revenir pas à pas Exactement, au travail. pas de façon présentielle du jour au lendemain, et ce qui peut causer de l'anxiété auprès du personnel, à tous les niveaux, évidemment. Et donc, cet atelier-là vraiment cherche à examiner le processus de transition et les sentiments que les gens peuvent avoir face aux préoccupations, aux inquiétudes qu'ils peuvent avoir, aux incertitudes aussi. Aussi, ça cherche à identifier des stratégies pour mitiger tout ceci, puis à donner place à la possibilité de pratiquer, c'est-à-dire de mettre en œuvre des pratiques efficaces pour gérer tout ça, puis donc contrer les peurs que les gens puissent avoir. Parce que souvent, les peurs sont vraiment des choses qui sont vécues de façon interne. Des fois, c'est basé, c'est sûr, sur Sur des des faits, oui, expériences vécues, mais surtout quand on parle d'anxiété, habituellement, lorsqu'on expose la personne à des situations qui sont similaires à la source de l'anxiété, ça tend à diminuer avec le temps et avec la pratique l'anxiété comme telle. Et puis, comme tu l'as dit avant la pause, là, il faudrait toujours se rappeler qu'on est tous humains, peu importe le chapeau, le titre qu'on a, on est tous humains. Et je pense que dans ton exemple ici, où est-ce qu'on parle de l'anxiété, même pour un gestionnaire ou un directeur qui revient au travail pas à pas et. C'est aussi, il ressent aussi de l'anxiété et je t'ai mentionné ça pendant la pause. Ce serait intéressant pour ces personnes-là qui sont d'autorité de montrer que, écoutez, ce que vous vivez là, je le vis pareil en fait. Vous n'êtes pas seul à vivre cette anxiété ou cette peur de revenir, par exemple, en présentiel au travail. Absolument, absolument. Il y a plusieurs années, les gens avaient un stéréotype typique des gens d'autorité. Oui, ah oui. des gens d'autorité, donc ce sont des personnes qui sont Carter. stern, qui sont vraiment sérieux, puis qui n'ont pas, qui laissent pas de place à l'émotion, qui ne laissent pas de place à l'humanité, et au contraire, afficher notre côté humain, c'est ce que les gens recherchent finalement, C'est ça. pour établir un contact humain personne à personne, humain à humain, pour qu'ils puissent aussi révéler que oui, je sais que
vous vivez des situations difficiles, mais nous aussi, on les vit aussi. Pareil, ouais. Puis, malgré ça, on a un travail à faire, on a un service à rendre, et il faut voir comment est-ce qu'on peut lier les deux, puis unir nos forces aussi C'est ça. pour qu'on puisse livrer la marchandise, les services, etc. Alors, de part et d'autre, je suis sûre qu'employé ou employeur, chacun a des actions à mener. Comme par exemple l'employeur, je pense que peut-être tu seras d'accord avec moi que ce serait lui d'aller, ça serait son rôle en fait d'aller s'enquérir de comment les gens se sentent, comment ses employés se sentent dans leur environnement de travail. Oui, de façon régulière, puis établir un climat, un environnement qui permet la conversation sans jugement, en normalisant l'expérience humaine, en peut-être même en étant proactif et nommer ce que les gens pourraient ressentir ou partager leur expérience, leur vécu personnel aussi, et laisser place à une conversation qui peut porter fruit. Lorsque cet environnement-là où cette dynamique-là est établie, c'est quoi le rôle de l'employé? Parce que lui aussi, c'est à lui de former. Mais faut avoir un 50-50, c'est sûr. L'employé qui peut éprouver certaines difficultés peut prendre part aux activités, bien sûr, selon son niveau de confort, mais aussi l'employé n'est pas non plus tenu de se révéler auprès de ses collègues aussi. Il peut demander à huis clos, à porte fermée, d'avoir un entretien privé avec son employeur pour peut-être nommer quelque chose qui se déverse dans son travail, qui pourrait être issu d'un problème de santé mentale. Des fois, l'employé peut aussi aller auprès du personnel de ressources humaines qui, eux, ont une panoplie de C'est ressources ça, pour appeler les employés. Il y a aussi les services d'aide aux employés qui existent auprès de certains employeurs, pour lesquels les gens sont, je trouve, encore aujourd'hui, sont encore timides d'accéder à ces C'est services-là. surtout par rapport peut-être aux stéréotypes. Oui, exactement. On ne sait jamais trop qu'est-ce qu'ils offrent Qui comme va me voir dans soutien. la salle là, en train de rentrer là-bas? Exactement. Malgré que tout est sous le pli de C'est la sûr, confidentialité. oui. Donc, puis aussi, en tant qu'employeur aussi, il faut s'informer à savoir, OK, mais c'est quel pourcentage de mon personnel qui accède à ces services-là? Parce qu'ils sont là pour les employés. Les employés contribuent à l'existence de ces services-là. Et par le fait, ça peut révéler, sans révéler le nom de ceux qui accèdent à ces services-là, ça peut révéler le type de services complémentaires à offrir aux employés, dont des programmes de formation comme la santé mentale au travail, qui ne demandent pas nécessairement des mesures additionnelles pour y accéder. On fait juste l'offrir comme une autre formation, programme de formation de perfectionnement Puis professionnel. comme tu as dit, c'est à la carte si je peux choisir le genre de thème que je veux pour ma Exactement. société, pour mon entreprise, Exactement. Selon les besoins selon les de la besoins. clientèle des employés. Alors pour avoir accès à ça, est-ce que c'est juste d'aller sur le site web et puis on a les Oui, informations? on va sur le site web ottawa.cmha.ca. Sous l'onglet formation, il y a La santé mentale au la travail. santé mentale au travail, faire partie des listes de formation qu'on offre. On peut aussi compléter le formulaire de demande de formation électronique, puis quelqu'un de l'équipe de formation entre en contact avec vous. Merci beaucoup, Dania. Je pense que c'est l'une de nos plus belles chroniques pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai adoré parler de ça avec toi. Et puis, on va inviter les gens à la maison à visiter le www.ottawa.com. cmha.ca, le site web est à l'écran en ce moment. Et puis, comme Daniel a dit, allez sous l'onglet formation, recherchez pour la santé mentale au travail. Vous allez avoir tous les outils pour pouvoir avoir accès à ces ressources-là qui sont disponibles pour vous ici dans la province. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir ensemble les Amazones des neiges. Vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, comme j'ai dit avant la pause, on va découvrir ensemble, l'ouvrage intitulé Amazone des neiges de l'auteur Amadou Ba, qui est historien, chercheur, écrivain. Et cet ouvrage est paru aux éditions AB.com, donc www.editionab.com. Amadou, on a dit qu'on allait se tutoyer parce qu'on veut que cette conversation-là soit
très spontanée. Première question pour toi, Amazone des neiges, c'est quoi ça comme titre déjà? Comment ça t'est venu ce titre? Merci beaucoup pour l'invitation. On peut se tutoyer, aucun problème. D'ailleurs, ici au Canada, tout le monde se tutoie, C'est ça. donc il n'y a pas de problème avec ça. Alors, Amazon Dene, c'est un titre à la fois historique et géographique. D'abord, géographique, le mot Amazon est repris dans l'histoire africaine d'un Oui, royaume qui s'appelle le Dahomey, mais Dahomey, aussi oui. il y avait le mot Tapa qui utilisait des Amazones. Mais en tout cas, au Dahomey, quand les colonisateurs français sont arrivés au 19e siècle, dans ce royaume, il y avait encore d'élite de soldats, donc des femmes qui ont combattu avec des hommes contre les envahisseurs, contre les colonisateurs. Donc ce sont les Français qui ont surnommé ces soldats-là Des Amazones Amazones. en référence aux Amazones de l'Antiquité gréco-romaine. Donc j'ai pensé à ce terme-là pour parler de femmes afro-canadiennes qui ont marqué l'histoire du Canada avec leur bravoure, avec leur courage, leur engagement sur une période de 300 ans. Donc le terme neige renvoie à l'environnement que nous avons ici au Canada pour décrire donc cette histoire de ces femmes-là. Voilà. C'est un très beau projet. Et puis je me demande comment Amadou a eu cette envie-là de le faire. Est-ce que c'est parce que dans le domaine littéraire, il n'y avait pas des œuvres qui représentaient ces femmes-là auparavant? Oui, tout comme l'histoire des Noirs au Canada, quand j'ai commencé mes recherches, et puis j'ai sorti mon livre en 2018, L'histoire oubliée de la contribution des esclaves et Oui. soldats noirs à l'édification du Canada, dans mes conférences, dans mes présentations, dans les écoles, pour le monde associatif, y a une question qui revenait sans cesse, c'est de savoir est-ce qu'il y avait des dames, donc des femmes dans cette histoire-là. Si oui, qui sont-elles? Quelle est leur part dans l'histoire? Donc, le fait que cette question revenait, ça m'a poussé aussi à diriger un peu mes recherches sur l'histoire des femmes. D'ailleurs, l'histoire des femmes, de façon générale, qu'elle concerne les minorités afro-canadiennes ou pas, elle est beaucoup plus, elle est moins présente Oui, dans les oui. livres d'histoire. En général, l'histoire, on raconte les guerres, l'héroïsme, la politique, donc c'est souvent les actions des hommes qui sont mises en avant. Alors que je pense que c'est important aussi de prendre le tout pour essayer de voir comment nous avons construit ensemble nos sociétés sur une longue durée. Et si on regarde cela effectivement, on va voir que dans l'histoire du Canada et dans l'histoire des Afro-Canadiens, il y a des femmes qui se sont levées, qui ont vraiment participé à écrire ces belles pages-là. Donc j'en parle ici à 15 d'entre elles qui ont marqué cette histoire sur des périodes différentes de l'histoire du Canada. Donc c'est un livre en 5 chapitres, près de 200 pages. Qui donc choisit certaines sur d'autres. Il y a beaucoup de personnalités, mais j'ai dû faire un choix pour ces femmes-là, pour leur représentativité sur l'histoire, sur la durée, mais aussi sur l'espace géographique de l'Est canadien jusqu'au Pacifique. Un choix, je pense, difficile parce que quand on creuse bien là, on se rend compte qu'il y a des histoires incroyables de femmes qui ont impacté leur environnement. Moi, dernièrement, j'ai participé à une conférence sur le premier ambassadeur noir, Carl Best, et j'ai appris sur l'histoire de sa mère qui a lancé le premier journal pour personnes noires. Et cette dame-là s'appelle Carrie Best, si je ne m'abuse. Et puis je me suis dit, waouh, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Oui, je parle d'ailleurs de Carrie Best dans ce Ah, livre-là. ça tombe bien. Oui, Carrie Best, elle est définitivement c'est une grande dame afro-canadienne. Je pense qu'elle, c'est en Colombie-Britannique. Carrie Oui. Best, c'est une militante pour les droits. Et en général, donc, c'est Une vraiment une femme activiste, qui ouais. a joué un rôle très, très, très important. Je parle d'elle donc à mon chapitre, je pense que c'est mon chapitre 4, mon chapitre 3. Avec d'autres femmes également. Donc, dans cette histoire, que ce soit la période esclavagiste, vous savez, l'esclavage a existé au Canada pratiquement 2 siècles, entre 1628 jusqu'à 1833. Et pendant cette période-là, je parle de 3 grandes dames. D'abord, Marie-Joseph Angélique en Nouvelle-France. Je OK. parle de Chloé Cooley dans le Haut-Canada, donc l'actuel Ontario, dans les années 1790. Et puis je parle également d'une dame qui s'appelle Rose Fortune, ça c'est en Nouvelle-Écosse, qui est une descendante des loyalistes, donc ces gens qui sont venus après la guerre d'indépendance américaine. Après cela, il y a eu tout un mouvement où l'esclavage est aboli au Canada, mais pas aux États-Unis. Donc il y a des personnalités qui
aller aux États-Unis pour libérer des esclaves, les amener au Canada, Canada. reconstruire leur humanité et tout ça. Et il y a une très grande dame, beaucoup plus connue aux États-Unis, mais quand même qui est canadienne par ses actions, puisqu'elle a vécu au Canada, c'était sa base arrière pendant longtemps au Canada. Son nom, c'est Harriet Tubman, que la communauté afro-canadienne, afro-américaine a vraiment revendiqué, repris comme une des grandes femmes afro. Mais aussi aujourd'hui, elle est très présente dans l'actualité. D'ailleurs, quand Biden est arrivé, il a choisi cette femme-là pour l'effigie de bien 20 dollars. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais il y a aussi d'autres grandes dames qui ont marqué l'éducation, l'information, comme Anne-Marie Chatt-Curry, par exemple. Viola Desmond, si on remonte un peu plus dans le temps. Kathleen Wayne, alors Kathleen Kay, Livingston, excuse-moi, je crois. Et puis il y a Jeanne Augustine, il y a des femmes qui ont utilisé la poésie, la musique, le sport pour vraiment affirmer leurs droits, leurs revendications pour une société beaucoup plus inclusive. Et voilà, c'est vraiment un livre qui donne la place aux femmes, montrer qu'est-ce qu'elles ont apporté pour faire avancer la société. Amadou, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, j'ai envie de savoir pourquoi tu as choisi cette dame-là pour la préface de ce livre. Vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de l'ouvrage intitulé Amazon des neiges, un ouvrage de l'auteur et historien Amadou Ba, qui est un livre d'éducation qui nous parle des femmes à une certaine période de notre histoire, des femmes afro-descendantes qui ont impacté leur temps. Et puis, moi, j'avais une question par rapport à la dame que tu as choisie pour la préface. C'est qui elle? Oui, il y a Kay Rubes, donc qui est de la Nouvelle-Écosse, excusez-moi. Donc, mais j'ai choisi Philomène. je fais le portrait de plusieurs. Il y a Marie-Joseph Angélique, il y a Chloé Coulis. Pratiquement toutes les femmes dont je parle sont sur la couverture du livre. Mais Kay Rubes, donc, c'est vraiment, elle symbolise toute cette histoire-là. Hein. Je la vois dans l'engagement, dans la politique, dans l'éducation. Vraiment, c'est une grande dame aussi. Parmi toutes ces 15 que j'ai mentionnées ici, je parle aussi de Portia White, qui était la plus grande chanteuse afro et puis qui a utilisé sa voix pour résister contre l'oppression. Hein. Je parle de de Rosemary Tuna Bailey également, et puis une grande dame de la Saskatchewan qui s'appelle Mette Mince. Toutes ces femmes-là ont vraiment apporter quelque chose. Et puis, c'est des personnalités qui peuvent être des icônes, des modèles pour nos jeunes filles, pour les jeunes femmes qui vivent au Canada et puis qui ont besoin de savoir qu'il y a des grandes personnalités afro-canadiennes, à la fois des hommes et des femmes, à qui s'identifier, etc. Je trouve que c'est important pour connaître aussi l'histoire de notre pays, progressivement aussi apprendre un peu cela. Et parlons maintenant de la préface du livre qui a été faite par Philomène Zanguio, si je ne me trompe pas. C'est qui cette Oui. dame-là? Alors, Philomène, c'est une grande dame qui vit au Nouveau-Brunswick, très engagée pour la cause des minorités de façon générale, mais aussi qui promeut l'histoire des Afro-Canadiens du Nouveau-Brunswick. Donc, on travaille ensemble sur ces questions-là, notamment l'introduction de l'histoire des Noirs dans les programmes scolaires. Dans les écoles, par exemple, de la quatrième année à huitième année. En ce moment, on travaille beaucoup sur le curriculum dans les écoles francophones du Nouveau-Brunswick. Elle fait partie du projet. Donc, c'est en cela qu'on s'est connus. J'ai lu ses articles également. J'ai vu que c'est une femme, depuis qu'elle vit au Canada, elle est originaire du Congo, je crois. Mais depuis qu'elle est arrivée ici, elle a vraiment joué un rôle très, très important dans la communauté. Et j'ai voulu vraiment que ce soit elle qui préface mon livre parce qu'elle continue justement ce combat-là que je décris. Je vois en elle une femme aussi qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Je pense qu'on pourrait avoir l'Amazone des neiges et tome 2 parce que de plus en plus, là, on voit que des femmes afro-descendantes prennent position, elles sont politiques, elles sont dans les médias,
elles sont, je sais pas, dans le monde des sports. Et souvent, là, c'est tellement encourageant, on va dire, pour la jeune fille qui se trouve dans, je sais pas, en quatrième année, en huitième année, de voir une personne qui la représente. C'est tellement important. Ça a l'air de rien, mais c'est super important. C'est important pour la construction identitaire, c'est important pour l'affirmation. Donc moi, mon livre, je me suis arrêté en 1982. Donc j'ai commencé en 1725 avec Marie-Joseph Angélique, donc durant la période esclavagiste, qui a vraiment, elle, c'est le refus de la soumission, c'est l'émancipation, c'est la liberté. Elle symbolise énormément beaucoup de choses pour la femme noire dans les Amériques, mais aussi pour la femme tout simplement. Et je me suis arrêté en 1982 avec la Charte canadienne des droits et libertés. À ce moment-là, j'estime que la compétition est ouverte à tout le monde, C'est ça. et voilà, y a plus le problème qu'il y avait avant. Oui. Mais en tant qu'historien également, j'ai besoin de prendre du recul, de parler plus des femmes, en tout cas des personnalités, soit qui ne sont pas encore en vie, donc je peux faire un bilan global de leur vie, ou bien qui ne sont plus en action. Donc il y a deux femmes dans le livre qui sont encore en vie, à savoir Jeanne-Augustine, mais elle a 85 ans. Il y en a une autre qui a 90 ans. Oui. Donc, mais pour les autres qui sont encore en action, même si elles font de belles choses, un proverbe de chez moi dit, tant que la personne est encore en vie, elle n'a C'est pas fini ça. d'être créée. Donc, je préfère laisser leurs actions aux futurs historiens et historiennes qui vont parler d'elles. Moi, je me En contente de espérant celles qu'ils qui entendent le ont déjà message. Voilà. Donc, ça, c'est par prudence et par. Moi, je préfère faire de l'histoire et laisser aux prochaines générations continuer ce travail-là. Vu que Amadou, tu es historien et que qu'on parle aussi de ce, je veux dire le mot en anglais qui serait beaucoup, mais de cette force-là que ces femmes-là ont eue et qu'on est dans le mois de mars, que ce soit pour des femmes afro-descendantes, pardon, ou peu importe leur origine, là, quel est ton regard, là on sort du contexte du livre, là, ton regard sur le féminisme actuel surtout? Il nous reste 2 minutes. Oui, pour moi, c'est une question de dédication. En fait, à quoi sert l'histoire? Pour moi, l'histoire ou bien les autres disciplines servent à éduquer, à créer une société où on a des citoyens responsables, qui sont égaux, qui sont solidaires. Mais il n'est pas possible de le faire si on néglige, par exemple, l'enseignement de l'histoire dans les écoles. Et dans cet enseignement, s'il n'y a pas la présence des Des femmes, femmes. si ce qu'elles font n'est pas connu, comment voulez-vous donc que les jeunes qui apprennent cela puissent les prendre au sérieux? Donc, il me semble que c'est très important de passer par l'éducation. Donc, le féminisme, c'est une revendication qui a vraiment pris en ampleur dans les années post-Seconde Guerre mondiale pour donner plus de valeur à la femme, son respect et tout. On sait toute l'histoire de ce mouvement. Mais je pense que l'éducation aussi qu'on donne à nos jeunes, et la présence, que ce soit des femmes, que ce soit les autres minorités, en tout cas Et tout bien ce pour qu'on veut pour appuyer, avoir une société beaucoup plus inclusive, ouais. ça doit passer par l'école. Et donc c'est en cela, c'est un livre pédagogique, c'est un livre d'histoire qui apporte quelque chose aussi pour notre communauté, pour qu'elle soit beaucoup plus connue et visible dans l'enseignement de l'histoire au Canada. Merci beaucoup, en tant qu'historien, chercheur, auteur, de te joindre à toute la communauté partout dans la province ici en Ontario. Tu as été en tournée, je vais dire limite là, durant le mois de février. C'est seulement en mars que j'ai pu mettre la main sur toi, Amadou. Mais je me dis que toute chose est bonne parce que là, on parle d'un sujet qui m'intéresse, le sujet des femmes. Et merci d'avoir accepté de faire cette entrevue avec moi. Au plaisir de se reparler. C'est moi qui vous remercie et vous souhaite passer une excellente journée. à vous À la aussi. prochaine. Alors, pour vous autres à la maison, juste après la pause, je vais continuer de vous donner quelques informations sur cet auteur. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TVRevient. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Avant la pause, j'ai eu une belle discussion avec l'auteur Amadou Ba sur son ouvrage qu'on pourrait voir en ce moment à l'écran qui s'intitule Amazone des neiges, qui parle de l'apport des femmes des afro-canadiennes en fait qui ont impacté leur temps, donc entre 1725 et 1982. Cet ouvrage est disponible au www.éditionab.com. Écoutez, sur
l'émission aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé du mois de la francophonie avec Marie Lantier de La Farfo. Elle nous parlait du magazine Vivre Plus qui est disponible sur le site web. Il est disponible gratuitement, donc www.farfo.ca, c'est le site web à visiter. J'ai aussi une belle discussion sur la santé mentale au travail avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. C'est une formation qui s'offre par l'association. Alors, si vous voulez avoir accès à ça, www.ottawa.cmha.ca. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, on va parler d'un festival de danse en milieu scolaire qui est organisé par l'organisme MAS. Et on va parler des 5 langages d'amour avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. À demain!